suis Sarah, auteure illustratrice d'albums comme celui-là, fait en papier déchiré et très souvent sans texte, encore que quelques-uns ont du texte. Alors le choix de cette technique est venu complètement par hasard parce que j'étais graphiste dans un groupe de presse et j'en avais un petit peu assez de la manière dont l'image était traitée dans les groupes de presse et j'ai voulu me prouver à moi-même que l'image était une langue à part entière. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire du papier. Mais vous avez l'histoire au début ou bien elle vient au fur et à mesure que vous déchirez les papiers ? Non, je commence par faire, la plupart du temps, par faire une recherche de couleurs et de formes et d'atmosphère. Et ce n'est que en fonction de ça, de l'atmosphère que j'ai envie de donner, que je vais inventer un petit scénario qui va porter l'histoire. Et qui va porter l'histoire parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin, on a un cerveau pensant qui a besoin d'un petit fil rouge qui nous emmène page après page. Mais en réalité, je n'y attache pas d'importance. Mon but, c'est de montrer que les images, si on les écoute, elles parlent, elles ont leur propre langage. Je suis obligée d'être efficace, donc d'aller droit au but. Et dans ces cas-là, tout compte. Et chaque couleur va avoir un sens. C'est ça la langue de l'image, finalement. Et chaque fois, le sens du jaune. Et le jaune, je l'ai choisi pour le chien parce que le jaune, c'est la couleur du soleil qui réchauffe la planète, qui réchauffe nos cœurs. Et je me dis qu'un chien jaune, d'abord, ça rappelle un peu Simenon, mais aussi, un chien, c'est extrêmement affectueux. Et quand on a rencontré une fois, on a fait une rencontre une fois avec un chien, et qu'on a vu son amour incroyable, à ce moment-là, on ne peut plus jamais l'oublier. Et le chien est le symbole de la chaleur affective. Et le chien revient très souvent dans vos différents livres. Assez souvent. Merci beaucoup.